Ok les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui AVSBC du coup du Roberto Carlos, du coup trop, héros, héros excusez-moi les gars, icône Fender, il y a tellement de cartes que je me perds. Les gars, Roberto Carlos, il a une carte insane, vraiment insane. La VSBC sera sur téléphone, les frérots, je suis en vacances à nuit, je suis désolé tout le week-end. Donc voilà, en tout cas là c'est des cartes importantes, donc je suis obligé de vous faire la VSBC, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Du coup voilà, excusez-moi de la qualité du son, de la qualité du coup de l'image, simplement on n'est pas sur la play, il n'y a pas ma tête, il n'y a rien. Excusez-moi les frérots, on va sans plus attendre faire la VSBC. Le prix on le verra plus tard, pour le moment il n'est pas affiché, c'est pas bien grave. Du coup, il a 80. Attendez, on va voir ça en premier. 5 de GT, 5. Oh putain, double 5, les gars, pour un défenseur gauche, c'est incroyable. Élevé le rendement. 1m68, il est petit, mais ça, c'est pas méchant. Les gars, il y a tout qui est parfait. Il est très rapide, il n'y a vraiment rien à dire. En termes de frappe, ben, les gars, pour un défenseur gauche, c'est pas obligé d'avoir autant. Mais là, il a vraiment une frappe d'attaquant droit, je vous dis la vérité. Attaquant droit, attaquant gauche, c'est magnifique. En termes de passe, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, les gars, vraiment. Il est exceptionnel, je vous répète. En termes de dribble, 92 d'agilité, 92 d'équilibre, 94 de réactivité, 94 de conduite de balle, 91 de dribble et 92 de calme. Il est, waouh, les gars, il est phénoménal. Honnêtement, il est phénoménal. C'est abusé. Pour un défenseur gauche, franchement, c'est incroyable. En termes de défense, maintenant, tacle debout 92, tacle glissé, waouh, 92, interception 97. Ouais, les gars, franchement, le système défensif 92, il est trop chaud. Les gars, c'est le meilleur défenseur gauche du jeu. Pour moi, les gars, c'est le meilleur défenseur gauche du jeu. Il n'y a rien à dire. Physiquement, il a 99 d'endurance pour son rendement élevé, c'est top. 90 de détente, 90 de force, 91 d'agressivité. Il y a, les gars, franchement, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. On va aller voir ce qu'il faut en 2-2 pour se faire. Il est là, ouais, les gars, il fait 713 000 crédits. Il faut une équipe du coup bronze et argent, comme d'habitude. Il faut une équipe ouais, or complètement. Il faut une équipe à 85, une équipe à 86, une équipe à 88, une équipe à 89, une équipe à 89, une équipe à 90. Les gars, il fait 700 000 crédits. Il est moins cher que Rodrigo. Honnêtement, pour moi, si ça, c'est pas une carte à faire, je sais pas ce que c'est. Les gars, c'est le meilleur défenseur gauche du jeu, tout simplement. Donc, oui, c'est une carte à faire. Voilà. Il y a Touré, les gars, aussi qui est sorti. Il y a, pff, c'est, les gars, c'est aberrant. Et Messi, juste ici. C'est waouh, les gars, les cartes sont incroyables. Là. Vraiment, cette semaine, les cartes sont incroyables. Du coup, il y aura Neymar forcément qui va sortir la semaine prochaine, peut-être. Mais ouais, les gars, franchement, je suis assez choqué. Vraiment, je suis assez choqué des cartes qui sortent là. Mais c'est beau, franchement, c'est bien, c'est beau et on est content. Donc voilà, les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi aussi pour la qualité du son, etc. Je le répète, je suis en vacances sur Nice. On m'a invité pour mon anniversaire. Donc voilà, ça se refuse pas, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, vu que c'est des cartes importantes, je me devais de faire cette vidéo. Peu importe comment, voilà, c'est juste pour ce week-end, les frérots. Peu importe comment je tourne la vidéo, ben voilà, je la fais quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis. Du coup, bonne game et bon week-end à tous. Ciao, ciao les frérots.